En Afghanistan, les talibans ont lancé hier une attaque contre l'aéroport de Kandahar. Les combats seraient désormais terminés. Un bilan provisoire fait état de 18 morts parmi les forces de sécurité et les civils et d'une dizaine de talibans tués. Outre un aéroport civil, le site visé abrite une base conjointe de l'OTAN et des troupes afghanes où vivent notamment des fonctionnaires et leurs familles. Les talibans ont pris en otage plusieurs personnes, dont des femmes et des enfants. Cette attaque contre ce complexe ultra sécurisé montre encore une fois la capacité de frappe des talibans qui avaient réussi fin septembre à reprendre brièvement la ville de Kunduz. Cette offensive intervient par ailleurs alors que le président afghan Ashraf Ghani tente de relancer les pourparlers de paix avec les insurgés islamistes.